une fois que tu as fait ton croquis sous forme de dessin ou tu as mis de la 3D, que ce soit un personnage ou un objet ou autre, je te recommande très fortement avant de commencer ton travail, c'est de toujours nommer tes calques. Là, j'ai mis contour et repère de calque. Parce que si j'avais pas nommé, et c'est comme ceci, calque 1, calque 2, calque 3, calque 4, et ben, est-ce que tu travailles sur une de ces calques et tu sais pas quel calque tu dois travailler pour tel élément? C'est embêtant, n'est-ce pas? Donc, moi, ce que je te recommande, c'est de toujours nommer tes calques qui te permettra de gagner du temps. Ensuite, que je te recommande, pour le repère, tu cliques ici pour changer la couleur du repère. Cela me permettra de dessiner sur le calque contour pour pouvoir dessiner par-dessus du calque repère. Et bien évidemment, tu as la possibilité de choisir la couleur que tu souhaites. Il suffit de cliquer sur la petite barre de couleur pour définir une couleur que tu souhaites. Par exemple, je prends du rouge, là, je mets un peu rouge sur le repère. Et bien évidemment, tu peux choisir parmi les couleurs qui sont proposées ici. Rien de compliqué, c'est très très simple. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, sur le calque contour, je vais zoomer ici, voilà, avec la touche Z. Sur mon panneau de gauche, je sélectionne stylo. Tu as un raccourci clavier qui est juste à côté, tu as la possibilité de paramétrer. Et je choisis plume s'agit. Grâce au repère et que tu appliques le contour par-dessus. Quand tu dessines avec ta tablette graphique, évite de faire ça. En cherchant à joindre l'autre bout, comme ceci. Et tu vas joindre encore l'autre bout. Tu perds du temps. Moi, ce que je te recommande, c'est de faire ça. D'une traite. Et de cette façon-là, avec la touche E pour activer le petit gomme, je gomme comme ceci. Et voilà. Là, je gagne plus de temps et bien évidemment, je peux continuer à dessiner de cette façon-là. Et encore, je fais la même chose ici et je continue mon tracé de cette façon-là. Et je gomme. Il existe un outil super puissant qui s'appelle l'outil courbe que tu peux trouver dans le panneau à ta gauche, le panneau d'outils. Tu cliques sur figure, en cliquant dessus, dans l'onglet dessin direct, je clique sur courbe. Je vérifie bien si ma taille de pinceau à 4 points, pour mon cas, pour pas avoir une très grosseur du tracé, je vais zoomer et regarde bien ce qui va se passer. Je clique pour créer un point A et je tire. En maintenant mon stylet appuyé et je relâche en ici, allant à cet endroit-là, pour faire mon point B. Et je donne une direction à mon stylet. Et je relâche en cliquant dessus en une seule fois. J'ai fait la même chose ici et je donne une direction à mon tracé. Attention de ne pas trop éloigner la distance du tracé. Donc je prends une distance approximative comme ceci par exemple dans mon cas. Et je donne une direction gauche ou à droite. Donc ici j'ajuste mon tracé, je clique une seule fois, je zoome légèrement. Et je clique sur la petite pointe ici, bien au centre, et vais attention de bien cliquer dessus pour pouvoir relâcher sur la seconde petite pointe et je donne une direction. Parce que si je fais pas ça, c'est-à-dire que si je clique dessus et je fais ça, c'est pas bon. D'accord? C'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est de cliquer une seule fois dessus, j'étire avec mon stylet et je donne une direction et pour rejoindre ce bout-là et je donne une direction à mon tracé et je relâche. Lorsque tu crées un nouveau calque vectoriel en cliquant sur le deuxième petit icône ici dans le panneau de calque, et j'utilisais l'outil stylo plume s'agit pour pouvoir créer cette forme, et je souhaite relier ces deux lignes. Pour ce faire, j'appuie sur la touche Y pour pouvoir activer l'outil corriger les lignes. Et je sélectionne relier les lignes vectorielles. Et je peins par-dessus. Et là, comme tu peux voir, les deux lignes ont été reliées. Admettons que je veux remplir le cheveu de ce personnage, j'appuie sur la touche G pour activer l'outil remplir. Et je sélectionne consulter d'autres calques qui me permet de remplir la couleur sur mon calque cheveux. Et là où c'est intéressant, c'est que tu as la possibilité de paramétrer le remplissage. Ici, j'ai ma fermeture d'écart qui a un point et la tolérance est à valeur de 30%. Donc ici, je vais pouvoir remplir, ça remplit très rapidement. Maintenant, si je remonte la fermeture d'écart et je clique une seule fois, bien évidemment, ça sera beaucoup plus long. C'est-à-dire c'est que si je sélectionne comme ceci, ça va remplir très lentement. Maintenant, si j'augmente la tolérance à 100%,
ça va remplir sur tout le personnage. Donc, si je mets en un seul point, et là, il y a valeur à 100%, la même chose. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est de mettre alentour de 20 ou 30%. Là, je vais mettre, par exemple, à 20. Et en cliquant une seule fois dessus, ça va remplir toutes les parties de cheveux. Et si jamais il y a un trou que c'est, qui n'est pas rempli, je clique dessus pour pouvoir remplir. Tu sais, nous avons tous l'habitude de défiler avec la molette de la souris ou avec la barre d'ascenseur. Eh bien, figure-toi, Clip Studio Pin a été très intelligent. Lorsque j'appuie sur la barre espace de mon clavier et je fais un clic sur mon stylet ou le clic gauche de la souris, j'ai la possibilité de défiler de cette manière. C'est juste incroyable. Lorsque tu importes un mannequin 3D dans le document et que tu souhaites avoir cette pose-là, lorsque tu verras ton mannequin 3D importé dans ce document, tu verras apparaître la propriété de l'outil. Et ici, sur la partie pose, il faudra cliquer sur ce petit icône et j'importe cette image dessus. Ne t'attends surtout pas d'avoir la même angle de vue et la même pose à 100%. C'est pas encore super bien optimisé, mais au moins tu peux avoir un rendu assez intéressant. Tu as la possibilité d'importer une pose à partir d'une photo. Tu vas dans le menu Fichier, Importer et Scanner de pose. Et je sélectionne l'image que je souhaite importer et je fais Ouvrir. Et ensuite, je choisis ma version, je prends le premier par exemple, et voilà. Lorsque tu peins, tu as la possibilité d'ajouter une bordure. Rends-toi dans le menu Fenêtre et clique sur Propriétés du calque si ce n'est pas coché. Et là, comme tu peux le voir dans mon panneau de droite de Propriétés du calque, j'ai la possibilité d'augmenter la valeur du bord. Mais avant, il faut que je choisisse la couleur que je souhaite et je sélectionne une couleur et je fais OK. Et à ce moment-là, j'augmente la valeur du bord. Lorsque tu as beaucoup de calque et que tu aimerais éviter de chercher à chaque fois le calque que tu as besoin de te repérer très rapidement, par exemple sur mon dessin, je vais me repérer sur le calque contour. Je clique ici et ça me permet de choisir la couleur que je souhaite proposer par Clip Studio Pin par défaut. Je prends par exemple le rouge. Je peux choisir bien évidemment une autre couleur plus personnalisée ici. Par exemple, je prends du bleu. Et ça, c'est vraiment chouette.